Bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Chaque jour est une vie et chaque chose est une nouveauté. Très récemment, pour ceux qui utilisent les ordinateurs avec un système d'exploitation Windows, Windows a fait une mise à jour qui montre automatiquement les nouvelles, le climat et tout. Et dans la barre des outils. Et évidemment, ça ne donne pas, ça n'indique pas comment il faut enlever ça. Et des fois, si vous n'aimez pas cette façon de voir ces informations un peu qui sont un peu comme des intrus dans votre vie, et vous souhaitez donc le désactiver et vous vous demandez alors comment est-ce qu'il faut enlever ceci. Si c'est ceci votre question, elle est bien répondue ici. Et si vous souhaitez en savoir plus, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez la réponse. Si c'est votre première fois de venir sur cette chaîne YouTube et que vous n'êtes pas un abonné, nous vous prions simplement de le faire. Si vous êtes un ancien abonné qui revient alors, soyez alors le bienvenu à la maison. Allez, quelques instants pour la démonstration, tout à l'heure. Alors, comme annoncé, nous avons désactivé alors cette extension. Nous allons dans un premier temps le ramener. Actualité. Afficher l'icône. Alors, c'est de cette icône dont nous parlons. Si vous promenez le curseur dessus, ça va ramener alors des informations comme ceci. Pour beaucoup, c'est très encombrant et ils ne souhaitent pas alors le voir. Nous allons simplement procéder à la désactivation en faisant un clic droit sur la tâche des barres, aller sur Actualité et Champ d'intérêt, et il suffit simplement de cliquer sur Désactiver. Nous venons de le désactiver comme c'était là avant le début de la démonstration. Nous allons le réactiver encore pour nous donner la chance de le faire à plusieurs reprises. Et le voilà. C'est ça qui ramène les informations que vous avez. Plus d'actualité, ça va vous ramener vers MSN, certainement. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de le désactiver. Et donc, cette extension désactivée, on ne le voit plus ici. C'est aussi simple que ça. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de commenter et aussi cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le pour nous donner le courage de continuer de produire d'autres vidéos. Allez, à plus tard.